Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Feuille de route. Ce magazine vous permettra de prendre connaissance de chaque action menée par le gouvernement, dont je cite son chef de file Matata Ponyo, lors de son discours d'investiture au Parlement. J'ai pris l'engagement de mettre sur pied un dispositif de suivi et évaluation devant rendre chaque membre du gouvernement redevable devant la nation. Fin de citation. Suivons cet élément. Nous vous annonçons solennellement, honorables députés, élus du peuple, que les actions amenées par chaque ministre en vue d'amorcer la réalisation de ses rêves sera établie en vue de développer des mécanismes et des suivis et garantir le maximum d'efficacité dans l'action gouvernementale. La feuille de route qui sera donc établie constituera le socle de l'action du gouvernement. Raison de votre magazine Feuille de route. Ce numéro est consacré à la réunification des routes qui est un facteur de développement. À ce sujet, nous aurons trois rubriques dont les reportages, qu'en pense le peuple et coup d'œil sur le site www.congopportunities.net. Sans plus tarder, notre première rubrique, les reportages. Promouvoir les activités socio-économiques du pays, la connectivité entre les chefs-lieux des provinces, voilà l'objectif poursuivi par le programme de réunification des voies routières en RDC. Un reportage signé Marcel Katonia et Dadi Kakasa. Le gouvernement congolais, dans le cadre de ses quinquennats du chef de l'État, Joseph Kabila, placé sous le signe du social, a initié un vaste programme de réunification de la RDC par voie routière en vue d'intégrer et de promouvoir les activités socio-économiques du pays. En effet, ce programme a pour objectif d'assurer la connectivité entre tous les chefs-lieux des provinces, y compris la ville de Kinshasa, de désenclaver les provinces isolées du pays, principalement les zones de forte densité des populations et de grande production agro-industriel. Il s'agit d'assurer également la connectivité avec le pays frontalier pour garantir l'intégration régionale. La concrétisation de ces programmes l'a été par le coup d'envoi des travaux de la nationale numéro 16 qui relie la province du Bandundu par Bukanga-Lonzo et la province du Bas-Congo par Kisantu. La localité de Bukanga-Lonzo a été choisie pour servir symboliquement de coup d'envoi de ces programmes qui devrait s'étendre dans tout le pays. Quant au programme RRR, le Bandundu est heureux de constater que son lancement officiel coïncide avec la relance de la production agricole dans notre province. Cette réunification du pays par voie routière nous permettra en outre d'évacuer notre production agricole vers d'autres centres de consommation de la République. L'exécution de travaux de réunification de la RDC par voie routière a été confiée à l'Office des routes compte tenu de son expertise. Suivant cet élément de Elgive Ndamousso et Dadi Kakasa. L'Office des routes et les entreprises privées ont la charge des travaux, lesquels consistent en ouverture à la réhabilitation et la modernisation de routes. En effet, alors que tout le monde s'accorde à admettre que la route du développement passe par le développement de la route, le secteur routier de la République démocratique du Congo n'a pas bénéficié pendant les deux dernières décennies des financements suffisants pouvant lui permettre de jouer pleinement son rôle de moteur de développement et d'élément intégrateur de l'unité nationale au plan économique et social. À titre exemplatif, en 2010 et en 2011, les deux années réunies, l'Office des routes n'a bénéficié du Trésor public et du Fonaire ensemble que de 60 millions de dollars pour ses activités, soit une moyenne d'environ 30 millions, ce qui est très faible au regard des besoins minima en ouverture, consolidation et entretien de routes estimés à un minimum de 150 millions de dollars par an. On peut donc remarquer que l'effort fait par le gouvernement de doter l'Office des routes de près de 2000 nouveaux engins et équipements de travaux publics, dont certains sont en cours de livraison, n'a pas trouvé le relais nécessaire au plan des allocations budgétaires
qui permettrait d'impacter de façon substantielle la production de l'Office des routes. Quant à la question de savoir si l'Office des routes sera à la hauteur de la tâche qui lui est confiée, le directeur général de cette entreprise, Herman Mutima Sakrini, a relevé que la RDC dispose des gisements importants de matériaux de construction de bases utilisables dans la construction de routes. Il convient de noter aussi que la République démocratique du Congo dispose des gisements importants de matériaux de construction de bases utilisables dans la construction de routes, tels que le sable asphaltique à Mavuma dans les Bas-Congo, les schistes bitumineux dans la province orientale, le calcaire éparpillé à travers le pays et surtout un intrant important dans la production du ciment, à savoir les gypses, dont les gisements ont été décelés dans le district du Kwango où nous nous trouvons présentement. Par ailleurs, le patron de l'Office des routes assure que le gouvernement a pris l'engagement de débloquer des fonds nécessaires à la réalisation de ces projets. Vous comprendrez dès lors, Excellence, pourquoi la direction générale de l'Office des routes et l'ensemble de son personnel a réservé un accueil enthousiaste à la mise en place par le gouvernement du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière, qui sera couvert par un financement revolving du trésor public. Jadis, la connexité entre les provinces était inexistante, nous rappelle Fridolin Kasueshi, ministre des ITPR. Mais grâce à ce programme mis en place par le gouvernement, cette question est en phase de concrétisation. Un élément de Aimé Mobagani et Simplice Onoya. Au nom de l'exécutif national, Fridolin Kasueshi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ne s'est pas empêché de rappeler que jadis, la connexité entre provinces était inexistante. Les régions entières du pays n'étaient pas accessibles. L'occasion que nous offre cette cérémonie est propice pour rappeler que la République démocratique du Congo a traversé depuis plus d'une vingtaine d'années une crise multisectorielle qui a détruit son réseau routier et son tissu socio-économique qui sont en parfaite corrélation. Ceci a entraîné une fracture nationale et l'enclavement des régions entières de notre pays qui n'étaient plus accessibles par véhicule. En ce qui concerne la réhabilitation du tronçon Bukangalonzo-Popo-Kabaka, dont le coût global est de 9 milliards de francs congolais, Fridolin Kasueshi a donné certaines précisions. La route Bukangalonzo-Popo-Kabaka, Kimvula-Kisantu, faisant partie de la route nationale numéro 16, qui a le privilège de bénéficier du lancement du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière, désenclavera le territoire de Popo-Kabaka et permettra la liaison entre les provinces de Bandundu et du Bas-Congo. Ceci est d'autant stratégique qu'elle permettra de relier ces deux provinces sans passer nécessairement par Kinshasa. La longueur de l'axe est d'environ 450 km. Le coût des travaux, suivant les premières études affinées par une étude complète plus détaillée, est évalué à environ 9 milliards de francs congolais. Les autres axes seront pris en charge progressivement, de manière à couvrir cette première phase en 45 jours. Par rapport à ces vastes programmes de réunification de la RDC par voie routière, certaines autorités se sont exprimées. Mais je pense que c'est une initiative extrêmement heureuse qui concrétise tous les engagements que le chef de l'État a pris, et c'est une excellente chose. Aujourd'hui, le programme de réunification routière devient une réalité. On commence par le Bandundu, mais comme l'a dit le ministre, le programme c'est 10 000 km. 10 000 km, et nous espérons que d'ici 2 ans, on pourra avoir exécuté ce programme entièrement. L'agriculture et les routes, ça s'intègre. Donc c'est pour moi une bonne journée, et une grande joie. Parce que si on produit, ça a voie d'écoulement, la population se décourage. C'est donc une excellente idée de réunifier l'ensemble du pays. Pour nous, c'est un événement extrêmement important parce que ça va avoir un impact sur les désenclavements de nos localités. Et donc, du point de vue de l'exploitation de la route où nous sommes, nous les transporteurs, c'est un événement de taille parce que ça va améliorer notre capacité de mobilité en interne au niveau national. Donc nous soutenons à 100% ces programmes et nous saluons son avènement, ce qui va améliorer
aussi la capacité de production, parce que finalement, avec la route, celui qui produit pourra évacuer facilement son produit et vivre de son activité. Extrêmement pertinent. C'est un grand événement. Quand vous voyez les raccordements routiers, qui est une grande ambition dans le cadre du développement de la République démocratique du Congo, on ne peut que se réjouir des actions qu'a préconisé le président de la République en tant que grand visionnaire dans le cadre de la révolution de la modernité. Je me réjouis fortement. La réunification des routes n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais de la nation congolaise en général. Pour ce, l'équipe de Congo Opportunities Media est descendue sur terrain pour récolter les avis des usagers de ces routes. Suivons ces réactions avec notre seconde rubrique, Qu'en pense le peuple ? L'idée est bonne, mais pour le tronçon que nous sommes en train d'emprunter, nous travaillons sur l'axe Bandundu-Ville. D'ici jusqu'à Maïndombe, la route est praticable. De Mongata jusqu'à Fumuketo et de Fumuketo à Kessélé, vous pouvez faire 3 jours. La route est dans un état de délabrement très avancé. Sans route, il n'y a pas de production. Si les tissus routiers sont en bon état, il y aura production. Si la voie est praticable, il y aura automatiquement baisse de prix des denrées alimentaires sur le marché. L'office des routes, qui a la responsabilité de l'exécution de travaux, doit assurer un entretien permanent de route. En principe, il faut que l'autorité compétente puisse assurer le suivi des travaux, car elles aussi empruntent cette route. D'où elles doivent prendre des dispositions. C'est très avantageux car c'est la ville de Bandundu qui approvisionne Kinshasa en produits vivières. L'avantage pour nous serait si on asphaltait cette route car ça nous permettrait d'arriver jusqu'à l'équateur. D'ailleurs, d'ici l'équateur, ce n'est pas un long trajet. En tout cas, nous à Bas-Congo. Pour le Bas-Congo, de Kinshasa à Matadi, la route est praticable. Dépasser les ponts maréchal en passant par Manterne et Kinzaou, elle devient impraticable. De Boma à Mwanda, la route n'est pas asphaltée. Et cela est une grande difficulté pour nous. Que les autorités fassent quelque chose. En tant que convoyeur, je dirais que beaucoup de biens sont acheminés à Kinshasa grâce à cette route. Que le gouvernement s'implique à la réhabilitation de ces tronçons en vue de renflouer les trésors publics. Le président de la République avait bien commencé son programme de route, mais actuellement, nous constatons un arrêt des travaux dont les raisons ne sont pas connues jusque-là. L'Internet est à la fois une capacité de diffusion dans le monde entier, un mécanisme de distribution de l'information et un moyen de collaboration et d'interaction entre les individus et leurs ordinateurs, peu importe l'emplacement géographique. Vous l'avez sûrement deviné que nous sommes dans notre troisième rubrique, coup d'œil sur le www.congoopportunities.net. Je vous invite à surfer avec nous et voir ce que nous propose ce site. Ayant 2 milliers d'internautes partout dans le monde, l'agence de presse Congo Opportunities Media vous informe au quotidien et vous donne l'opportunité de vous faire connaître, de faire connaître vos produits, vos annonces ainsi que vos offres d'emploi à travers son site les www.congoopportunities.net qui se présente de la manière suivante. Le menu principal renferme différentes rubriques dans lesquelles les informations sont catégorisées. Nous avons les rubriques telles que accueil, à propos de nous, agriculture, culture et sport, éducation, infrastructure, internationale, notre armée, offre d'emploi, santé, environnement, sciences et technologies, et enfin, sociaux et politiques. À la page d'accueil de ces sites, vous avez les publications à la une. Il suffit d'un clic sur l'article à la partie gauche, vous cliquez sur l'image, vous accédez directement à l'article. À droite des informations à la une, apparaissent les logos de nos partenaires. Congo Opportunities.net dispose aussi d'une rubrique dénommée Débat du jour, à travers laquelle l'occasion est donnée à de nombreux visiteurs du site de pouvoir donner leur point de vue sur une question d'actualité. Juste à côté, l'opportunité est offerte aux annonceurs de pouvoir faire connaître leurs produits à travers le rubrique Espace publicitaire. Congo Opportunity vous dit merci d'avoir été très nombreux à suivre ce magazine. Le rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.